Ouais Vincent, c'était pour parler avec toi de la voiture partagée. C'était pour voir un peu comment ça avait démarré. Moi, je suis venu un peu après. Est-ce que tu te souviens comment ça a fonctionné et comment c'est venu cette idée, et surtout pourquoi et dans quelles circonstances? Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'était Julie Hébert qui était tombée en panne de voiture. Et donc un jour, je suis arrivé au bureau et je lui ai passé un double de la Saxo. C'est une voiture qu'on m'a prêtée et que j'utilise pas beaucoup parce que souvent je peux aller au bureau en vélo ou à pied. Et du coup, bah voilà, ça a commencé comme ça. Après, ça a suivi avec vous, pareil, la Panda qui a lâché. Aude, elle était pas fan de la 306 à l'époque. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle piquait. Enfin voilà, je lui ai passé un double des clés aussi. Et donc, on a commencé à remplir un petit cahier. En notant les kilomètres, on rentre tout ça dans un tableur. Non, c'est vrai qu'on est tous un peu au même endroit. On travaille presque tous sur place. Donc c'est vrai qu'on se voit facilement pour en parler et pour s'échanger les trucs. C'est vrai qu'c'est assez rapide. En fait, nos besoins, ils sont assez limités, en fait. C'est vrai que je me rends compte qu'on n'est pas trop à devoir, on part jamais à Montpellier à machin toute une journée. Et en fait, on peut même dans la même journée, on peut se prêter la voiture plusieurs fois. C'est pas un souci. Ce qui est assez drôle, c'est aussi le fait de partager la voiture, du coup, on s'en sert moins. Parce que les autres en ont besoin et que nous, des fois, on réfléchit, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et du coup, j'en profite pour aller au bureau en vélo ou à pied, et ça me fait un bien fou parce que le trajet, ça met 10 minutes à pied, hein, c'est pas énorme. On note juste les kilomètres qu'on fait, l'essence qu'on met dedans, un petit peu la date si on a le temps. Donc on met à zéro le compteur, et puis c'est tout ce qu'il y a à faire, hein, remplir le carnet, et puis à la fin, on remplit le tableur. On sait qu'on a un coût à peu près de 13 centimes d'euros le kilomètre. Ce qui est bien, c'est qu'on sait rarement en fait combien coûte une voiture au kilomètre. Enfin, notre voiture, on ne sait jamais quoi. On additionne jamais tous les frais qu'il y a d'achat, d'entretien, d'essence. Donc là, c'est très bien. On rentabilise la voiture, l'assurance de la voiture, les contrôles techniques, des coûts voilà, qui sont réguliers sur les voitures et que si on est tout seul. Donc on partage ça à plusieurs. La voiture, elle est mieux utilisée. Et puis ça évite surtout l'achat d'une deuxième voiture quoi, pour les couples, quoi. Mais je me rappelais plus par rapport au garage quand on amène la voiture. Quand on amène la voiture au garage, est-ce que c'est l'un de nous qui paye? Ensuite, on met le prix de réparation et ensuite on se le repartage après. En fait, on remet dans le tableur, on se Ouais, le c'est ça, c'est recalcule. exactement ça. C'est ça. Et après, on fait C'est ça. des transferts d'argent. Il n'y a jamais eu de problème d'argent ou d'entretien de la voiture. Elle est même mieux entretenue à la limite que nos voitures personnelles. Ouais. Là, Par exemple, je on fume. Par utilise. exemple, je fume pas dans la voiture partagée. Alors que je fume dans ma voiture. Et ça, c'est. On pense aux autres, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est rigolo, ça. Ouais. Voilà, après ça marche bien parce qu'on a tous confiance, on se connaît tous, on roule pas comme des tarés. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu un excès de vitesse fait par la voiture Ouais. partagée? D'ailleurs, c'était Aude. C'est vrai. Excellent. Excellent, c'est vrai. Énorme. Ouais. Du coup, bah, Ça va être une on reçoit l'avis par la poste et puis on met que c'était une autre personne qui conduisait la voiture. Donc l'assurance, on a décidé d'être solidaire. C'est-à-dire s'il y en a un qui a un accident, bah, le coût de l'assurance, il est partagé par tout le monde. Du coup. Il y aurait le rachat d'une voiture aussi en commun, certainement, à faire, quoi. Et voilà. Du coup, on partagerait tout ce coût-là, quoi. Ça, on a fait une réunion une fois. On n'a pas fait trop de réunions sur Ouais, ces voitures partagées, c'est c'est vrai, c'est cool. vrai, c'est vrai. On a dû faire deux réunions depuis 2011, donc Ouais. 3 ans, quoi. On s'était dit que c'était possible de partager plein de choses, qu'on utilise des fois des choses deux fois dans l'année et en fait on s'en sort pas de tout, mais ouais, c'était plus la question de l'argent. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent très souvent la voiture partagée, donc fréquemment, et donc on. Mais aussi, il y a le cas aussi, il y a des gens qui ont besoin une fois dans l'année, si vraiment ils sont en panne ou ils ont un besoin urgent. Ils savent qu'il y a cette voiture partagée et ils nous contactent pour savoir si c'est dispo et après on se met en contact pour savoir s'il peut l'utiliser à tel moment. Mais c'est assez simple. C'est vrai que dans les villages, on a tendance à parfois s'entraider un peu pas mal, de manière assez simple. Enfin, je sais pas, c'est. Ouais, on est souvent gêné de demander une voiture à quelqu'un quand on est en rade. Et là, comme ils savent que c'est une voiture partagée et qu'il y a le coût global est partagé, du coup, ils n'ont aucun souci à la demander et à l'emprunter, quoi. Et nous, c'est pareil, on n'a aucun souci à la prêter, quoi.